Je vous propose un nouveau tutoriel sur CLPay Evolution sur le générateur d'état pour pouvoir paramétrer les modèles de bulletin paye afin de rajouter des informations qui vous sont spécifiques à votre société, notamment sur tout ce qui concerne les classements conventionnels par rapport à la convention collective ou si vous devez afficher par exemple un indice, un niveau ou une position. Ce n'est pas prévu par défaut dans le bulletin de paye, c'est prévu au niveau de la fiche salarié, mais pas au niveau du bulletin de paye. Donc nous allons voir comment rajouter des champs pour que effectivement, eh bien, toutes les informations qui sont obligatoires figurent sur les bulletins de paie de vos salariés. Alors, dans un premier temps, il y a une particularité pour vraiment faire apparaître, vous voyez l'option ici, générateur de documents, qui est grisée.